This is WN. Yo, Dre. What up? I got something to say. Docteur Dre. Enfin, Docteur Dre. Eazy-E. Eazy-E. Et Ice Cube. Docteur Dre, Eazy-E, Ice Cube. Normalement, dans ta tête, si t'es comme moi, ça fait déjà quelque chose, là. Ça se chamboule un peu, quoi. Enfin, si t'es comme moi, quoi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Valou se paye NWA Straight Outta Compton, le film de Gary Gray qui est sorti donc le 16 septembre de cette année. Un film, un biopic qui retrace justement l'histoire de la NWA, un des groupes de hip-hop les plus influents de la scène des années 80-90. Au final, un groupe à qui on doit beaucoup, énormément aujourd'hui. Et si dans ta tête ça ne fait toujours rien... Voilà. Et là, si dans ta tête ça ne donne encore rien, ben arrête de regarder mes vidéos, enfin va chez Squeezie quoi. C'est... Alors avant de commencer la critique de NWA qui sera en deux parties, je voudrais remercier parce que finalement en 2015 c'est un bon cru, enfin voilà, entre Jurassic World, La Rage au Ventre, NWA, vous vous en doutez, j'ai aimé hein. Et pas mal d'autres films, Mad Max notamment, on a eu une sacrée année qui n'est pas terminée avec Star Wars 7 qui j'espère sera intéressant. Mais je voudrais remercier Gary Gray pour avoir enfin fait un film où le hip-hop est considéré comme de la musique. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais je remercie Gary Gray puisque ce film-là est vraiment très intéressant et on considère voilà tous ces gens-là, et c'est vraiment drôle puisque j'étais avec quelqu'un, je suis allé voir au cinéma deux fois, la première avec une personne qui est très rock, Corentin, si tu me regardes, qui ne considérait pas par exemple au début les DJ comme des musiciens, etc. Je suis vraiment content puisque quelqu'un comme Dr. Dre est vraiment montré comme un musicien. Et là on voit que le hip-hop, les origines, dès le premier plan hein, quasiment, où voilà, t'as Dr. Dre qui est vraiment au taquet sur une musique un petit peu blues, un petit peu brown des années 70, on voit que le hip-hop c'est vraiment de la scène musicale. Et je suis vraiment content de la réalisation de Gary Gray qui montre ce film-là comme le hip-hop est un art en fait. Et c'est vrai que le hip-hop est un art, mais c'est un art qui a été finalement assez décrié au début et qui continue encore aujourd'hui à être pas mal chamboulé. Il suffit par exemple de voir ce qui se fait en France, je suis désolé, hein, mais quand on appelle hip-hop section d'assaut, Maître Gims, c'est Black M. J'sais pas si je t'aime. NWA, c'est un film qui en est en réalité deux. C'est d'abord un biopic musical et un film un peu plus d'actualité, bah, dira-t-on d'actualité des années 80-90. Alors sur le traitement des Noirs, hein, le traitement des Afro-Américains justement à cette période-là. Donc je vais commencer par la première partie, celle qui m'a le plus intéressé, le biopic musical. La liberté d'expression concerne aussi le rap, non? Alors nous on fait rien d'autre qu'appliquer le premier amendement. Et c'est le gouvernement qui l'a écrit. Alors, premier bon point justement pour la NWA, je vais resituer un petit peu le scénario sans spoil, donc c'est pour ça que je vais devoir, parce qu'il y en a beaucoup, hein, l'air de rien, je vais devoir essayer de faire attention à ce que je dis. Mais la NWA, c'est un film, donc un biopic sur ce groupe phare des années 80-90, de ses débuts, donc de sa construction avec Eazy-E et Ice Cube, qui vont emmener Dr. Dre avec eux. Et c'est le premier bon point, j'ai trouvé, outre le jeu d'acteur, très très bon. Ah, sincèrement, à part Rocher Jackson Jr., que je connais puisque c'est le fils d'Ice Cube, il est juste là, je vais le décaler un petit peu pour que vous le voyez, voilà, qui ressemble beaucoup à Ice Cube, mais enfin, en même temps, comme c'est son fils, c'est un peu normal. Et j'ai été surpris d'ailleurs que la promotion du film ait été en grosse partie faite par Ice Cube et son fils. Là, je vois que Ice Cube et Rocher Jackson Jr. ont vraiment pris à partie cette promotion du film, et c'est assez intéressant. Et le jeu d'acteur, donc, pour revenir à lui, est très soigné de la part de tous. Il y en a qu'un que je connaissais, c'est pour vous dire, c'était DJ Yella, qui est un personnage secondaire pour ceux à qui ça parlera de Walking Dead qui apparaît dans la saison 1. C'est pour vous dire que les acteurs, je ne les connaissais pas du tout. Pour la plupart d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de caméras derrière eux. Hein. Mais voilà, on a un biopic musical où on laisse personne de côté. C'est-à-dire que sur 2h30 de film, puisque c'est un film assez long, je n'ai pas goûté pour plaisir, on s'attache vraiment à tous les personnages. On commence par Eazy-E, un petit peu son quartier
défavorisé, ses problèmes de drogue, puisque c'était un dealer un petit peu avant, voilà. On s'intéresse à Ice Cube, qui était un poète, ça c'est important de le savoir aussi. Eazy-E, c'était vraiment le battant, le mec de la rue qui voulait, voilà, récupérer de la monnaie, qui voulait vraiment signer des labels, signer des contrats. C'était le petit protégé de Jerry Heller, et le film est un excellent biopic, puisque pour m'y connaître un petit peu, la majorité des événements qui se passent sont 99% proches de la réalité. Jusqu'aux villes où les incidents se passent, par exemple à Détroit, si vous avez vu le film, vous comprendrez. Mais voilà, on est dans un biopic très fort, et on va suivre Eazy-E, et ensuite on va suivre les problèmes de Dr. Dre, avec la mort de son frère, par exemple, qui donne lieu à The Message, juste pour information, je mettrai des liens pour les musiques au cas où, qui a donné The Message, une chanson avec Mary J. Blige, qui a dans l'album 2001, qui est exceptionnel, où il retrace un petit peu, justement, son passé avec son frère. Et Ice Cube, le poète, voilà, celui qui écrit, celui qui a un talent pur, lui c'est vraiment l'essence un petit peu de la NWA, dans le chant et dans l'écriture, qui voilà, lui, pareil, c'est vraiment pas l'enfant du ghetto, c'est un enfant finalement, un adulte hein, quand même, assez calme, assez réservé, mais qui a un talent brut. D'ailleurs, pour la bande-son, excusez-moi, hein, je me suis enjaillé pendant quasiment 2h30, dès le début, quand on entend Talking to My Diary, qui est un nouveau titre de l'album de Dr. Dre, alors j'étais comme ça à chaque fois. S'il y a des gens qui me regardent et qui étaient avec moi pendant la séance, si j'ai fait des bruits de petites lesbiennes affolées, c'est normal, c'est moi. Il n'y a pas de problème, c'est que j'étais au taquet parce qu'il passait du Dr. Dre. Pourquoi? Parce que biopic musical, évidemment. C'était la petite anecdote. J'étais chaud comme le showbiz. Mais c'est vrai que voilà, on apprend énormément de choses sur les personnages. Sur l'arrivée par exemple de The Chronic, qui est le premier album de Dr. Dre, qui est maintenant monstrueux, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Sur sa rencontre avec Snoop Dogg, sur sa rencontre avec Tupac, sur son lien un petit peu, hein, ça c'est laissé un peu de côté avec son demi-frère Warren G, qui lui présente justement Snoop Dogg. Donc on a vraiment, voilà, un biopic musical qui ne laisse rien de côté, et qui est vraiment, comment dire, très ancré dans la réalité, et qui peut permettre justement de faire passer le hip-hop pour un art, et de montrer aux gens que le hip-hop est né grâce à eux, en partie, hein, puisque à part Grandmaster Flash et LL Cool J, je connais pas énormément de groupes qui faisaient vraiment du hip-hop ou du gangsta rap, puisque là, pour être tout à fait franc, la NWA, c'est la naissance du gangsta rap, le hip-hop existait peut-être déjà avant, mais on n'avait vraiment pas cette idéologie du hip-hop, et ce film retrace vraiment bien ce qu'est le hip-hop dans son amour pur. Et le gangsta rap, c'est ça. C'est se focaliser sur la douleur et sur la souffrance de là où on vient pour l'exprimer et pour donner des titres qui dérangent. La NWA dérangeait énormément, notamment avec la police, leur chanson fétiche, un fuck da police, qui veut tout dire, hein, là, bon, voilà, j'ai pas besoin d'appeler Aluna pour faire un... Mais fuck da police, ça a été vraiment un événement qui est très bien représenté dans le film, puisque il y a toute une scène qui est, comment dire, une sorte de réflexion sur... Doit-on passer cette chanson-là? Doit-on réellement la diffuser? Donc finalement, tous les voyants sont ouverts pour que ce biopic musical soit vraiment puissant et très bien interprété. Donc là, j'ai été vraiment ravi. Pour donner un ordre d'idée, voilà, je regarde ce film et je me dis que finalement, Réussir ou mourir, qui est un de mes films phares, hein, avec 50 Cent, ce film-là était peut-être un peu trop dans le bling-bling, était peut-être un peu trop dans la surenchère. La NWA, Straight Outta Compton, puisqu'il faut l'appeler comme ça, le titre du film, c'est Straight Outta Compton, excusez-moi. Mais ce film-là est vraiment proche de son public, proche de la réalité des événements. On commence d'ailleurs la scène d'introduction qui est magnifique, avec une voix off, qui est une voix un petit peu d'archive sur ce qui se passait à cette époque-là, sur l'état de Compton, donc la ville de Compton. Et on termine avec des images d'archives de là où je reviens, par exemple, que personne n'est laissé au hasard. Qu'est-ce qui est devenu Ice Cube ensuite? Qu'a offert Dr. Dre au hip-hop? 50 Cent, Kendrick Lamar, Eminem, sa marque Beats by Dre. On sait, par exemple, ils vont jusqu'à dire que Dr. Dre a revendu ses casques audio et tout ce qu'il avait fait à Apple. Donc finalement, on est dans une actualité presque récente sur la fin des images d'archives, et on parle de la mort de Eazy, et voilà, des hommages qu'il y a eu après, notamment avec un album de la NWA qui est sorti, qui a beaucoup moins bien marché. Donc, on est dans un vrai biopic, presque documentaire, mais fictif. Pour tous les amoureux de hip-hop, je vous le conseille 2000. Oui, mais dans vos chansons, vous rendez glamour le style de vie des gangs, les armes et la drogue. Notre art est le reflet de notre réalité. Vous voyez quoi, vous, quand vous sortez de chez vous? Moi, je sais ce que je vois. Et donc, cette deuxième partie qui sera un peu plus courte, puisque j'ai pas la prétention de m'y connaître autant en hip-hop, là, ça va plus être un aspect cinématographique.
Pourquoi NWA est un bon film? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a deux films en un. Et le deuxième film, c'est un film un peu plus, disons, en lien avec l'actualité des événements qu'il y avait à cette époque-là et qu'il y a encore maintenant sur la lutte des Noirs pour être acceptés et pour pouvoir, voilà, être perçus comme artistes. Il y a beaucoup de problèmes avec la police. On voit par exemple la police blanche agresser des Noirs. Je vous signale qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un Noir aux États-Unis qui a été passé à tabac et tué, me semble-t-il, par un policier blanc. Donc comme quoi on est encore dans l'actualité, hein, c'est revenir encore et encore toujours sur les mêmes choses, mais ça existe. Les situations sont très bien représentées, très bien filmées par Gary Gray, que je connaissais juste pour un film, hein, qui est bi-cool avec John Travolta, alors à l'opposé de ce qu'il a pu faire sur Straight Outta Compton. Voilà, on est sur un film qui dérange aussi par la réalité des choses. Voilà, les États-Unis, ce n'est pas qu'Hollywood, surtout Los Angeles, puisque Compton est un quartier de Los Angeles. On n'est pas que dans le Hollywood, on n'est pas que dans la musique, on n'est pas que dans le business, on est aussi, voilà, comment des jeunes Afro-Américains peuvent aller au-dessus de ce qu'ils font d'habitude et passer outre leur couleur de peau pour s'en sortir. Le côté afro-américain, c'est s'en sortir par tous les moyens. Le rêve américain n'a jamais été aussi bien représenté que dans Straight Outta Compton, dans ses mauvais côtés, ou dans ses bons côtés. On voit un petit peu de la cupidité, on voit les beefs, donc les rivalités qu'il y a eu entre Eazy et Ice Cube pour les contrats, pour la rivalité, pour les battles de rap, etc. Puisque ça va finir par totalement les diviser pour mieux les rassembler, évidemment, puisque ça reste des poteaux, c'est des homies, les gars, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Mais on a un film qui traite des problèmes sociaux et qui traite de l'actualité et qui renvoie à l'actualité d'aujourd'hui, et ça c'est très fort, puisqu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui se passe en ce moment quand on regarde ce film-là. Il y a eu énormément de choses, et une phrase qui m'a beaucoup touché, c'est... Et ça c'est marrant, puisqu'au final ça résume un petit peu tout le film. Ce film traite du gangsta rap, et beaucoup de journalistes blancs qui ne comprenaient pas le hip-hop à l'époque disaient « Vous faites un CD, vous faites des concerts, où vous mettez sur un piédestal le gangsta rap, où vous mettez sur un piédestal la condition des Noirs avec la drogue, les flingues, les gonzesses, le sexe. » C'est quelqu'un qui n'a rien compris, et Ice Cube lui dit « Non, on te fait juste un portrait de notre réalité. » Il n'y a rien de plus à dire, merci Ice Cube, merci Hoshea Jackson Jr. et Gary Gray, et puis tous ceux qui ont fait le film, de la production, aux distributeurs de café. Merci à vous, puisque le hip-hop, ce n'est pas que des guns et des trucs et des machins. Ça, c'est l'esprit qu'on s'en fait maintenant, par des mecs comme 50 Cent, par des Lil Wayne, par des Kendrick Lamar, voilà, par un hip-hop moderne. Mais à l'époque, ils parlaient de leur réalité. Ils parlaient de ce qu'ils vivaient vraiment, ils parlaient de leurs problèmes, etc. Quand il y avait un Noir qui se faisait buter à deux rues d'eux, c'était vrai. Je dis pas que c'est vrai, pas vrai pour les autres. Mais c'était encore d'autant plus vrai pour eux, à une époque où le hip-hop n'était rien. Donc c'est un film qui relate tout ça et qui appuie vraiment là où ça fait mal. Ils appuient là où le hip-hop a réussi à survivre. Là, il fallait y aller jusqu'à créer leur propre studio d'enregistrement, leur propre société de production, leur propre label, puisqu'ils ne pouvaient rien faire d'autre. On termine avec une image exceptionnelle. Dr. Dre se retourne, quitte Death Row et va commencer à dire aux autres « Alors ce sera quoi ton label ?» Et là, il regarde la caméra et il dit « Aftermath ». Bon bah là j'ai bandé les gars, je le dis, parce que Aftermath, quand tu vois tout ce qu'ils ont donné derrière sur Eminem, sur 50 Cent, sur tout ça, ça a été un monstre, c'est un génie. Et dès la bande-annonce, on le voit, Dr. Dre, le génie, Eazy-E, le battant, Ice Cube, le poète. Pour moi, il n'y a rien à dire de plus, je pourrais terminer, bah d'ailleurs je vais pas tarder à terminer, ma critique dessus. On montre exactement ce qu'étaient ces gens-là, on montre leurs conditions, et on dresse un portrait magnifique de ces personnes, un portrait vrai. Et moi, c'est tout ce que je voulais, en fait, un portrait vrai. Je voulais quelque chose d'authentique pour un film qui le mérite, puisque ce groupe-là, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ça peut être un peu casse-gueule de parler de la NWA, est-ce que ça va pas être une redite de Réussir ou Mourir un peu bling-bling? Eh ben non. Là, ils ont tapé exactement où il fallait. Je vous le conseille fortement. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Je vais vous laisser là-dessus, sur ce très bon biopic. N'hésitez pas à aller le voir. Je vais revenir d'ici une semaine, j'aurai un peu de retard sur sa sortie avec le film de Lance Armstrong. Et d'ici là, j'aurai un petit bonus qui arrivera normalement en fin de semaine, peut-être vendredi ou samedi, si tout va bien. J'aurai un petit bonus sur une web-série dont je vous avais parlé. Donc voilà, portez-vous bien. Dr. Dre, Eazy, Ice Cube, souvenez-vous-en, même en carrière solo, c'est génial. Et bonjour chez vous. J'ai bien vendu mon sujet.